Merci beaucoup de nous recevoir donc dans votre appartement parisien du 12e arrondissement. Vous êtes né à Meknès, au Maroc. C'était le 29 septembre 1948 et vous y êtes resté jusqu'à l'âge de 17 ans au Maroc. Comme beaucoup de Juifs originaires du Maroc, vous êtes resté très, très attaché à ce pays, à cette culture. Quelles sont les images qui vous reviennent comme ça quand vous y pensez à cette époque? Quand j'y pense, je pense que j'habite deux pays, plus le monde, mais j'habite la France et le Maroc, et je suis très habité par Israël. Ça fait trois Mais alors. oui, ça fait. Non, mais Israël, je n'y habite pas. Je fréquente Israël, mais je suis très pris par ma passion pour Israël. Mais le Maroc, c'est le pays où j'habite, dans mes rêves, dans ma pensée, probablement dans mes habitudes. Amicale, alimentaire, mais mes souvenirs du Maroc, c'est l'enfance heureuse, c'est la nature, on était entre la ville et la nature, c'est une très grande proximité entre les gens et c'est la rencontre entre les religions. Au Maroc, nous étions des juifs pratiquants, d'une famille relativement, entre guillemets, libérale, mais nous pratiquions les fêtes de manière sérieuse. Mais en même temps, nous fréquentions les non-juifs, chrétiens, musulmans et autres. Et pour moi, ça reste quelque chose de très fort. C'est-à-dire que c'était vraiment productif. On avait une réflexion sur notre identité comparée aux autres. Quel était votre milieu familial? Alors, je dirais, mon père était un commerçant, un peu un télo, très respecté dans la ville de Meknès parce qu'il avait aussi une disponibilité aux autres, était très militant sur certaines causes, notamment sur les causes sociales, sur les causes proches d'Israël, puisqu'il aidait des gens qui avaient des projets d'aller en Israël. Je n'avais pas de grand-père paternel qui était décédé, mais j'avais une grand-mère paternelle qui était très marrante. Voilà, elle s'appelait Yakot et nous l'adorions. Elle avait beaucoup d'humour. Elle avait pris la vie du bon côté en se retrouvant veuve avec trois fils et une fille. Elle nous a accompagnés jusqu'à sa disparition à Haïfa. Et mes grands-parents maternels, qui sont partis très tôt en Israël, m'ont marqué parce que mon grand-père était agriculteur. Et mon enfance, c'était d'aller avec ma mère chez mon grand-père, qui nous donnait des fruits ou des légumes qu'il avait lui-même fait pousser et qui avait un immense plaisir à nous faire la bénédiction de consommation de la tomate ou de l'orange qui venait de son champ. Voilà. Je l'ai retrouvé en Israël où, quand je l'accompagnais sur sa terre, à côté de Haïfa, j'étais toujours émerveillé par ce geste qu'il avait quand il arrivait près de sa terre. Il prenait une motte de terre, il l'embrassait et me disait: ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Toledano, c'est un nom, disons, assez répandu, assez célèbre aussi. Il y a même, je crois, un homonyme qui a fait une histoire des Juifs de Meknès, Joseph Toledano. J'ai vu ça en travaillant sur votre interview. Vous remontez loin dans votre filiation, dans votre famille, généalogie? Alors, je suis fier de ce nom et j'en suis d'autant plus fier que quand j'ai été avec mon épouse qui est alsacienne et mes enfants à Tolède, j'ai eu l'impression de voir les rues dans lesquelles ont vécu mes ancêtres. Chez les Toledano, il y a un certain orgueil ou une certaine prétention, comme il y en a dans beaucoup de familles juives, et nous avons une branche de la famille qui prétend que nous descendons du roi David. Mais nous avons effectivement des titres de gloire par des grands maîtres du judaïsme qui ont laissé une œuvre considérable et des leaders communautaires marocains qui ont aussi joué un rôle important avant le départ des Français et par la suite jusqu'à, disons, la dispersion du judaïsme marocain entre Israël, le Canada et l'Europe. Alors, vous avez fait vos études dans les écoles de l'Alliance israélite. Vous ne saviez pas à l'époque que vous alliez être appelé à diriger plus tard cette noble institution. Vous avez un bon souvenir, j'imagine, de cette école que vous Très bon fréquentez? souvenir, oui. Très bon souvenir parce que
C'était l'encadrement était de très grande qualité. Les installations pour une ville comme Meknès, c'était parmi les plus belles installations scolaires dont disposait la ville. Et la communauté avait beaucoup de respect pour cet esprit de rencontre entre l'Occident et la tradition. Du point de vue de la culture française, j'ai aimé, j'ai apprécié les profs de français, les profs de philo, les profs de musique, mais j'ai également découvert une façon de parler du judaïsme à travers les textes, à travers la grammaire. Je suis passionné de grammaire hébraïque. Vous l'avez appris à l'Alliance, la grammaire hébraïque ? Ah, tout à fait, tout à fait. Nous avions à l'Alliance un niveau scolaire excellent. Et bon, je ne dirais pas que j'étais un élève très brillant, mais j'étais en général un bon élève. Mais nous avions, du point de vue juif, un très très bon niveau. Parce qu'on a parfois des personnes qui disent que ce qu'on apprenait dans la tradition, dans le Talmud Torah, dans la tradition juive, le judaïsme, ça n'avait rien à voir avec ce que l'Alliance enseignait, qui était plus universitaire et qui était plus, disons, dégagé de l'authenticité de la tradition. Là, je vais vous parler comme celui qui a dirigé l'institution pendant des années. Il y a beaucoup de mythes sur ce que l'Alliance était et n'était pas sur le plan juif. De mon époque, c'est-à-dire dans les années qui ont suivi la décolonisation, l'Alliance a représenté vraiment la continuité du judaïsme. Le judaïsme ultra-orthodoxe, il y en avait, mais il était extrêmement marginal. Il n'était pas de bon niveau. Et il avait même tendance à être un repoussoir pour un certain nombre de juifs. Alors que les bons connaisseurs du judaïsme cherchaient à enseigner à l'Alliance, et l'Alliance a su en attirer un certain nombre. Et puis nous avons bénéficié du retour des élèves qui ont étudié à l'ENIO, chez Emmanuel Levinas, qui ont représenté une source de savoir raisonné du judaïsme, avec on connaît en France Armand Abécassis, certains connaissent Prosper Elkoubi, Zichrono Livracha ou Marcus Eladat, qui sont des savants dans différents domaines, mais sur le plan juif, sont parfois d'un niveau très supérieur à des gens qui ont fait des années de yeshiva. Alors, dans ces années de jeunesse et de formation, il faut dire un mot aussi des éclaireurs israélites du Maroc, les EIM à l'époque. Ces années de scoutisme, ça a été aussi important pour vous, pour votre formation ? Oui, porter un uniforme pour un garçon très turbulent et intéressé par tout, ça m'a permis de me cadrer. Mais surtout, je pense que j'ai découvert aux éclaireurs israélites l'obéissance dans les deux sens. Apprendre à obéir et apprendre à se faire obéir. Et cette manière de voir la vie comme étant une relation à l'autre dans le travail, dans l'exécution de tâches, dans la réalisation de projets, comme étant une relation où il y a toujours un chef à m'a guidé dans beaucoup de choses. Maintenant, c'était effectivement la découverte de la nature, la découverte de la forêt, la découverte de la montagne. Des amitiés aussi. Voilà, de l'amitié. Ce qui a, pour moi, par la suite, représenté beaucoup. J'aime énormément, et ma famille aussi, aller dans la nature. J'ai gardé beaucoup d'amis des éclaireurs israélites, et notamment celui qui a été mon grand chef et à qui j'ai succédé. Il s'appelle Michel Serfati. Il est rabbin. Chercheur, et il est l'initiateur des amitiés judéo-musulmanes de France. Et j'ai toujours admiré cet engagement social qu'il a. Alors ce sens du leadership, justement, puisqu'on en parle, vous avez dit savoir obéir et savoir être obéi, c'est quand même c'est pas vraiment une science, mais c'est un savoir, c'est une expérience. Vous l'avez acquis aux éclaireurs israélites, ou est-ce que ça vous vient de votre éducation ou de votre tempérament? Vous disiez que vous étiez turbulent. Vous êtes devenu rapidement chef de troupe aux EI. Est-ce que chef de troupe, ça vous qualifierait ça comme manière d'aborder la relation aux autres? Je m'y reconnais totalement,
mais sans me prendre au sérieux. Je ne me suis jamais pris au sérieux. J'avais toujours l'impression qu'être chef de troupe, c'était une fonction qui m'était dévolue et pour laquelle il fallait tout le temps que je prouve que j'étais à la hauteur. J'avais peur des responsabilités que je prenais parce que quand vous vous retrouvez à 15 ou 16 ans, chef d'un camp avec 120 gosses, un budget à gérer et qu'il faut que tout le monde mange et qu'il faut que tout le monde rentre de ces différentes explorations dans des territoires pas toujours sécurisés. Heureusement que j'avais une dose d'inconscience, mais les éclaireurs israélites ont été pour moi cette école de la confiance en moi, la capacité de prendre des risques, mais en même temps de rendre toujours compte et de me faire rendre compte par les gens qui dépendaient de moi. Ce souci qu'on a quand on est responsable, vous l'avez gardé tout au long de votre carrière finalement, de cette manière de se demander si effectivement on assume la fonction de manière convenable et sans se prendre au sérieux justement, ce qui n'est pas toujours facile quand on a des responsabilités. Comme vous l'avez dit, c'est devenu un peu ma seconde nature. Et je dirais oui, oui, absolument. J'ai eu une carrière à l'intérieur des institutions juives après avoir quitté le secteur public, une carrière où on est chaque fois venu me chercher. Et j'ai eu chaque fois la même réaction. J'ai dit, pourquoi moi? Et est-ce que vous êtes sûr que je suis capable? Et puis, moi, je m'en sens pas capable du tout. Et on me disait, mais si, vous allez voir. Et je dirais qu'effectivement, de ne pas se prendre au sérieux, de ne pas avoir l'orgueil de sa responsabilité, c'est quelque chose qui doit s'apprendre très jeune. Et je dis souvent aux éducateurs, si vous avez transmis aux jeunes une confiance en eux et en même temps la capacité de modestie par rapport à leur réussite, vous leur avez donné une arme pour réussir dans leur vie. Après la guerre des six jours, l'ambiance change quand même au Maroc. On parle du Maroc comme d'une terre brûlée. C'est l'année de votre bac, enfin vous êtes en première à ce moment-là, et vous vous installez en France. Comment ça s'est passé le départ du Maroc et l'arrivée en France après toute cette période de bonheur que vous venez de décrire? Donc, je me trouve à l'école normale hébraïque, je suis en classe de première et arrive la guerre des six jours. J'ai un frère, mon frère aîné qui a un an de plus que moi, en Israël, et moi je me trouve au Maroc avec des deux côtés de la rue Charles Cros de l'école normale hébraïque, des tanks avec des soldats. Et on nous explique, n'ayez pas peur, il ne se passera rien de grave, etc., etc. Et nous écoutons les informations, et nous avons des informations à l'époque. C'était la radio marocaine. La radio marocaine était totalement débridée sur le fait qu'Israël avait déjà été éradiqué. Il n'y avait plus aucun juif en terre d'Israël. Et nous étions affolés comme adolescents. Nos maîtres ne savaient pas très bien gérer cette situation. C'était la première fois. Vous n'aviez pas d'autres sources d'informations à ce moment-là de France? En tout cas, en tant que jeune, on était un peu coupé de tout ça, mais la présence de soldats dans des tanks pour nous protéger, entre guillemets, nous la vivions aussi comme une espèce de menace. C'était pas seulement une protection. Et je ne sais pas pourquoi, je rentre chez mes parents et je leur dis, je ne veux plus rester dans ce pays. Bien sûr que mes parents s'y opposent et finissent par céder. Et c'est comme ça que je me retrouve en classe de terminale à l'école Maïmonide, à Boulogne, tout seul. Mes parents sont restés au Maroc. Donc, et là, j'ai découvert un nouvel univers, un chef scout qui était le directeur à l'époque et un ami, quelqu'un qui est devenu ami, qui était en deuxième année de l'école rabbinique. On ne s'est plus séparés depuis, qui était le grand rabbin Citruc. À l'époque, c'était le jeune mathématicien qui faisait des études de rabbinique. Et on s'est liés d'amitié. Puis après, on est restés liés jusqu'à sa disparition récente. Vous passez votre bac, c'est en 68. Alors, évidemment, l'année, tous ceux qui ont qui ont ce souvenir de cela, c'est un bac un peu spécial. Enfin, c'est une année universitaire un peu spéciale. Vous n'avez pas été pris par la fièvre révolutionnaire à ce moment-là, alors, à Maïmonide? Si, parce que très tôt, en étant élève en terminale à l'école Maïmonide, je vais au 27 avenue de Ségur, au siège des éclaireurs israélites, et je dis que je veux créer une troupe EI, comme j'en avais une au Maroc. On m'a dit, mais vous êtes complètement dingue, on fait pas ce qu'on veut dans ce pays, il y a d'autres chefs, etc. Et puis, on a besoin de vous pour autre chose. Bon,
Je leur ai dit, comme vous voulez. Moi, je... Bon, alors ils m'ont laissé faire, donc j'ai créé une troupe EI à l'école Maïmonide, et je me suis lié d'amitié avec des responsables EI, dont quelqu'un qui est devenu un très grand copain, on est resté très copains, qui s'appelle Alain Grelzamer, qui habitait pas loin de l'école Maïmonide. Et nous avons, pendant tout le mois de mai 68, fréquenté la Sorbonne, et nous avons assisté à la naissance de la propagande arabo-palestino quelque chose, puisque déjà, effectivement, voilà, ouais. Dans la cour de la Sorbonne, où il y avait des soignants qui soignaient les blessés, des étudiants qui se promenaient, d'autres qui se draguaient, il y avait des stands, et je ne sais pas d'où ils ont eu tout ce matériel, des étudiants arabes qui avaient toutes sortes de matériel de propagande et qui récitaient par cœur des leçons, si je puis dire, apprises, et nous nous amusions parce que nous les interrompions pendant leur discours, et comme ils connaissaient le discours que dans une seule version, il fallait qu'ils le reprennent à zéro. Donc Israël a spolié les Palestiniens, etc., etc., et nous essayons de défendre ce que nous pouvions, mais mai 68 était une fête permanente, c'est-à-dire entre Boulogne et la Sorbonne, c'était la fête. On a assisté à 2-3 échauffourées, mais quand on raconte mai 68, les gendarmes, la police, etc., etc., en réalité, c'était probablement quelques moments, mais le reste du temps, Paris était en fête. Alors, vous partez faire des études à Strasbourg, dans une école de communication, journalisme et sciences de l'information, s'appelait la filière. Là, vous découvrez Strasbourg. Je découvre Strasbourg. Et peut-être aussi beaucoup le judaïsme ashkénaze que vous ne connaissiez pas forcément. Absolument, ouais. Absolument. Vraiment, je découvre un autre judaïsme que celui que j'imaginais, même en France, parce que le judaïsme strasbourgeois n'a rien à voir avec le judaïsme français. Et là, vous vous sentiez à l'aise dans ces milieux-là ou tout, vous... à fait, oui. Tout à fait. J'ai été très bien accueilli à Strasbourg. Les jeunes de ma génération que j'ai connu très tôt, sont devenus vite des amis. Et là, effectivement, c'est réellement comme ça que ça s'est passé. On m'a demandé de me présenter à la présidence de l'Union des étudiants juifs. Alors là, Strasbourg, c'est vraiment très particulier. Le soir, vous êtes élu président de l'Union des étudiants juifs, c'est-à-dire une petite organisation de rien du tout. On servait, on faisait un Shabbat plein, parfois une petite manifestation. À l'époque, il n'y avait pas encore de quoi faire. Après, il y a eu des tas d'occasions. Mais et le matin, vous êtes salué par toute la ville. Les gens m'arrêtaient dans la rue. Monsieur le Président, félicitations, Monsieur le Président. Je suis convoqué par le président de la communauté, à l'époque, Monsieur Veil, par Jean Kahn, qui était président de l'association Menorah, pour non seulement me féliciter, pour me dire « Alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» Voilà. Et donc, je me suis retrouvé propulsé dans des relations auxquelles je n'étais pas préparé, mais que je prenais avec plaisir. C'était amusant. C'était quoi les préoccupations des étudiants juifs à l'époque, dans ces années-là, préoccupations, en tout cas, des syndicalistes de l'Union des étudiants juifs? Vous aviez des revendications particulières ou Alors oui, tout à fait. Alors les étudiants juifs à Strasbourg, un peu comme les Parisiens, puisque nous avions beaucoup de relations nationales, de congrès, etc., un peu comme les Parisiens étaient très préoccupés par l'évolution de l'université après 68. Donc nous étions de tous les combats pour que l'université reste un territoire protégé. L'identité juive n'était pas menacée. Mais il était difficile d'être juif dans les universités sur le plan pratique, notamment pour la cacheroute, le Shabbat, etc. Donc l'Union des étudiants juifs avait ce rôle. Strasbourg étant une ville d'accueil, puisque des jeunes juifs venaient de plusieurs pays, notamment du Maroc, mais également de toute la France et de toute la région Alsace, la grande région Alsace, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sans famille. Donc nous organisions beaucoup d'activités de socialisation. Et comme ça se sont nouées d'ailleurs des relations fortes. Et il y a quelque chose qui est né quand j'étais président. C'est une demande des jeunes juifs allemands et d'Europe de l'Est d'avoir une relation avec les juifs de France. Et nous avons été dans une situation où la communauté juive officielle n'était pas très claire sur ce point-là.
Parce que d'un côté, pour la plupart des Juifs alsaciens, un Juif qui habite en Allemagne en 75-76, c'est pas très cachère. Et il faut pas trop encourager ça. De l'autre côté, c'est quand même des Juifs. Ils veulent des relations. Et puis, c'est des gens intéressants. Et donc, on a construit un système de relations très soutenu par les organisations juives européennes. Voilà. Et on retrouve vos qualités à la fois de leadership et de celui qui fait les ponts, celui qui fait les passages, celui qui permet... Je sais pas si on les retrouve, mais si déjà à cette époque-là. L'occasion fait le larron, si je puis dire. Chacune de ces occasions, pour moi, est une occasion d'apprendre que quand on est en situation de devoir agir, eh bien, on s'improvise. Effectivement, c'est ce qui fait que mon caractère est probablement adapté à ce genre de situation. Alors, vous devenez journaliste, d'abord aux dernières nouvelles d'Alsace, et puis à ce qui s'appelle à l'époque FR3. Et comme ça, vous avez découvert la France parce que vous êtes passé de rédaction en rédaction régionale. Ça a été aussi une autre découverte, cette profession de journaliste. Ça vous a aussi plu, j'imagine. Alors, d'abord, les dernières nouvelles d'Alsace, c'est vraiment la circulation en Alsace. Et l'Alsace est un pays extraordinairement riche, intéressant, varié. Et de découvrir une certaine France. L'Alsace, ce n'est pas la France, mais c'est une certaine France. A été pour moi une période très passionnante. Je me suis intéressé, et j'étais d'ailleurs pendant un certain temps chargé de cela, de toutes les questions jeunesse et phénomènes sociaux. Et j'ai fait de grandes enquêtes à la suite de l'incendie du lycée Édouard Pailleron sur la drogue, sur les jeunes et la musique, etc. Et donc ça m'a amené à découvrir les grands phénomènes qui traversaient la jeunesse française. FR3, c'était d'abord l'ouverture du Parlement européen présidé par Simone Veil et sous la direction de Jean-Marie Cavada. FR3 a dû jouer un rôle important, donc j'étais de l'équipe de FR3, mais ensuite on m'a demandé, puisque FR3 était une société nationale qui déplaçait ses journalistes d'une région à l'autre, et c'est comme ça que je me suis trouvé à Limoges, à Dijon, c'est-à-dire que j'ai... Parce que quand vous êtes journaliste à Dijon, à Limoges ou à Belfort, en réalité vous êtes dans une région... De 300 km de long et de large, et vous découvrez les villages. Bien sûr que j'ai eu l'occasion, il était à l'époque, je crois, député, d'interviewer Mitterrand, mais c'était sur une fermeture de ligne de chemin de fer ou de je sais pas quoi, il n'était pas encore président. Mais disons, vous avez accès aux personnalités dans leur défense de leur territoire. La rentrée scolaire, le vin nouveau, je sais pas, les choses de la vie quotidienne. Et j'ai découvert la France à travers cette expérience de FR3. Alors en 78, fin 78, changement de direction à FR3, ça se passe pas très bien. Et vous décidez avec un certain nombre d'ailleurs de confrères, de quitter la profession, en tout cas de prendre un congé sans solde. Et ça va permettre, là, c'est un tournant un peu de votre parcours, puisque vos activités professionnelles vont retrouver finalement vos activités militantes, puisque vous êtes appelé pour diriger les activités formation du Fonds social juif unifié, former des cadres pour la communauté. En quoi la communauté, à l'époque, comment elle se caractérisait, en quoi elle était différente de ce qu'elle est aujourd'hui, à cette époque-là, donc on est fin des années 70. Fin des années 70, la communauté a des repères très clairs. Le CRIF, c'est le CRIF. Le Fonds social, c'est le Fonds social. Le consistoire, c'est le consistoire. On ne se marche pas sur les pieds. Chacun a une mission claire. Et il y a une entraide entre les grandes institutions, un respect entre les dirigeants des différentes institutions. Le FSJU a une mission, entre guillemets, laïque, c'est-à-dire celle qui consiste à servir les besoins non religieux. Et c'est comme ça que le FSJU a été amené, à la demande des autres institutions, à créer une relève aux dirigeants et aux cadres qui avaient assuré, si je puis dire, le développement des institutions juives et des associations juives depuis la guerre qui commençait à partir. Et c'est vous qui avez été chargé de cette tâche. Donc j'ai été chargé par Adam Loss auprès de Edmond Elalouf de conduire un programme qui était un programme
initiée par le FSJU, en relation avec le ministère du Travail et avec l'American Joint. C'est un programme assez ambitieux. On a dû former une centaine de cadres, donc un certain nombre sont encore en fonction. J'ai du plaisir chaque fois quand je circule dans la communauté juive de retrouver des gens qui ont été en formation dans cet institut que je dirigeais, mais également les bénévoles des institutions. Nous avons formé pour beaucoup d'institutions les dirigeants, les présidents, les trésoriers, les membres des conseils d'administration. Alors ça c'était pour la communauté. Vous êtes aussi après passé à l'action sociale. Et bon, là, on peut citer évidemment la création de l'initiation, en tout cas de cette journée nationale pour la Tzedaka, qui est devenue un rendez-vous communautaire très important maintenant. C'était quoi l'idée à l'époque de créer Pas si vous réalisez que l'action sociale, quand on me propose de diriger le secteur de l'action sociale de la vie juive en France, je suis moi-même surpris et je demande quel rapport. Je savais à peine définir les besoins d'un handicapé ou d'un enfant sans parents ou d'une personne âgée. Je finis par accepter en disant je vais quand même me renseigner, je fais le tour des associations, je vais suivre une formation, je fais toutes sortes de choses. Et puis on se lance dans des projets. À l'époque, c'était l'urgence, c'est l'emploi et le retour à l'emploi des personnes en difficulté. C'est la création d'institutions et d'établissements pour personnes handicapées, c'était un méga chantier. C'est l'anticipation des besoins des personnes âgées. La communauté juive commençait à connaître sa première génération de personnes âgées. Et puis les jeunes en difficulté, à Paris, Lyon, Marseille, enfin dans les grandes villes. Et en faisant ce travail, en réalité, nous développons des programmes avec toutes les institutions fédérées, il y en a presque 150, et nous découvrons qu'il y a des besoins d'argent. Et là, l'argent du FSJU ne suffisait plus. Et nous réfléchissons à l'idée d'un moment communautaire où tout le monde est appelé à contribuer à ce besoin particulier. Et de manière surprenante, si je puis dire, parce que dans la communauté, tout était établi, comme je dis, ça n'a pas fait un pli. Moi, je me souviens, ce qu'on appelait le comité d'organisation, tous les présidents d'associations, toutes confondues, le CRIF et le Fonds social et le consistoire, il n'y avait pas à l'époque de guerre de chapelle, les grands rabbins. Je me souviens d'une réunion avec tous les rabbins, il y avait les rabbins libéraux, les rabbins orthodoxes, et je me souviens, le grand rabbin Citruc, Zichron Olivracha, me dit « Jo, c'est la première fois que je me retrouve dans une réunion de création avec des rabbins libéraux et je t'en remercie. » Et donc nous créons un concept que pendant un mois, toute la communauté juive organisée fait une halte, donc du 15 novembre au 15 décembre, fait une halte, et tous ceux qui sont dans l'éducation, dans le social, dans la culture, etc., font quelque chose pour trouver de l'argent pour subvenir aux besoins des familles, des personnes en difficulté. Et à notre grande surprise, ça a marché, et ça s'est institutionnalisé, donc maintenant je crois qu'on est à la... C'était en 92, la première campagne de la Tzedaka. Le premier président de la Tzedaka était un poème, le docteur Marcel Goldstein, une figure extraordinaire, et nous avons vécu ensemble des expériences fantastiques. Ensuite, c'était Fernand Slama, ensuite Ariel Goldman. Donc il y a eu comme ça une transmission qui s'est installée. Et au fur et à mesure, se sont agglomérées des énergies, les dernières qui sont arrivées après que moi, au bout de 10-12 ans, j'ai quitté le social. Les responsables ont réussi à attirer les gens des médias, les grandes figures médiatiques. Et c'est extraordinaire. Ça a donné une nouvelle dimension à la... Et donc, ça a donné une dimension populaire, mais aussi ça a fait... Ce que nous voulions depuis le début, mais nous ne savions pas le faire, c'est que la tzedaka est devenue un mot en hébreu connu de tous les Français. Nous espérions qu'au lieu de connaître le seul mot Shoah en hébreu, que les Français de France apprennent que les Juifs ont d'autres mots en hébreu, comme le mot tzedaka, qui, comme vous le savez, est très chargé de sens, puisque c'est un mot intraduisible, puisqu'il signifie deux choses à la fois. Il signifie en même temps bonté, charité, générosité, et de l'autre côté, justice, rigueur. Chacun a droit à ce que ses droits soient respectés.
droit au logement, droit au travail, droit au bonheur. Donc la tzedaka est un concept extrêmement dense et je pense qu'il n'a pas été appauvri par cette campagne et que d'année en année, il a pris une signification. C'est une des seules choses qui soit liée à la tradition juive, qui n'ait pas été contestée par les milieux orthodoxes comme étant « mais c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous ». Parce que dès que vous touchez à des concepts juifs, et c'est normal, les juifs qui sont les gardiens, si je puis dire, de la tradition, disent « attention, hein, si vous pervertissez quelque chose ». La Tzedaka a réussi à être communiquée à toute la communauté juive, mais au-delà de la communauté juive, tout en gardant sa pureté. Effectivement, la fameuse unité des valeurs dont parlait Magnitou entre la justice et la générosité. Bon, on est obligé d'aller vite. Joseph Taledano, le FSJU, vous le quittez pour diriger ensuite l'Institut André Neher. Alors, c'est un autre défi du côté de l'école juive. Vous avez encore la tâche, là, de recruter des cadres et puis aussi d'adapter toutes ces écoles juives aussi aux normes de l'éducation nationale. Peut-être on peut dire un mot de cette période-là. Oui, les écoles juives sont nées du fait d'un besoin. Beaucoup de juifs ne pouvaient pas, pour différentes raisons, mettre leurs enfants dans les écoles publiques. Donc il y a eu une réponse. Cette réponse s'est faite, en fonction des capacités des uns et des autres. Mais beaucoup de responsables et d'initiateurs de projets d'écoles juives ne savaient pas quel était le métier de l'école. Ils savaient le métier de l'éducation et de la transmission juive. Le métier de l'école est un métier en France. Et ce métier-là se confirme par le lien avec l'État. La contractualisation des écoles juives avec l'État nécessitait du personnel formé, des directeurs, des conseillers pédagogiques et des professeurs qu'il fallait présenter au concours de l'État. Donc je suis arrivé au moment où Prosper El-Khoubi, fondateur, devant se retirer, on demande « est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire le développement de ce projet ?» Et donc là aussi, on me sollicite. J'avais de l'intérêt pour l'éducation, c'est vrai, mais pas au point de dire qu'un jour, je pourrais être un spécialiste de la question. Et là aussi, j'ai accepté, je me suis formé, puis j'ai commencé à travailler. Et puis c'était une très très belle aventure avec, 135 formateurs de tous les horizons, des liens avec Israël, les États-Unis, toutes sortes de communautés en Europe, bien sûr avec le ministère de l'Éducation, avec l'école catholique et qui représente beaucoup, avec les centres de formation publics et privés. Donc, on comprend pourquoi finalement on fait appel à Joe Toledano à un moment donné quand il s'agit de restructurer, relancer sur des bases nouvelles, de former les gens, de créer des synergies. En tout cas, on a fait appel à moi. Vous pourrez demander à ceux qui ont fait appel à moi pourquoi ils ont fait appel à moi. Mais moi, j'étais heureux de cette mission. Il y a aussi l'étape de la Fondation Rachi, où vous occupez encore d'éducation et de sociale en France, en Israël. Bon, on n'a pas forcément le temps de s'y attarder. Et puis en 2008... Deux mots sur la Fondation Rachi, c'est... Quelque chose que j'avais découvert avec l'appel pour la Tzedaka, c'est cette responsabilité, quand on travaille pour des associations en France, d'être un vecteur de la générosité. Il y a des gens qui gagnent de l'argent, ou qui héritent de beaucoup d'argent, qui veulent faire quelque chose de bien avec leur argent. Ils ont besoin d'une aide, d'un accompagnement pour pouvoir le faire. Et j'ai découvert avec la Fondation Rachi, ce que j'avais déjà un peu perçu avec l'appel national pour la Tzedaka, c'est que servir les gens qui veulent faire de la philanthropie, qui veulent exprimer leur générosité avec l'argent qu'ils ont gagné, est une très grande mission. Est une grande mission parce que c'est une manière pour eux d'exprimer leur judaïsme, mais aussi c'est une grande mission parce que le développement de la générosité, c'est contagieux. C'est quelque chose, quand les gens vous demandent « mais dites-moi, qui est-ce qui donne cet argent? Pourquoi ils donnent cet argent ?» Je veux dire, c'est quelqu'un très simple. Il a gagné de l'argent. Il veut faire du bien. Un jour, il a eu faim quand il était enfant. C'était le cas du président de cette fondation. Il veut que tous les enfants aient à manger. C'était son obsession. Il me disait, Monsieur Toledano, si vous connaissez des enfants qui ont faim, vous vous en occupez. Mais vous vous occupez aussi du fait qu'ils aient une éducation et qu'ils aient des baskets correctes et qu'ils aient des lunettes s'ils en ont besoin. Donc, c'est quelque chose que dans les fondations, c'est pas que de l'argent. Derrière, il y a une vision de l'homme. 2008, nouvel appel téléphonique. Cette fois, c'est Adisteg qui vous propose la direction de l'Alliance israélite universelle, un poste que vous occuperez pendant 7 ans jusqu'à votre retraite en 2015.
À l'époque, on disait que l'Alliance était un petit peu une vieille dame endormie. Comment vous avez fait pour la réveiller, cette vieille dame? Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai réveillé, mais d'abord, ce qu'on appelle le bureau ou le conseil d'administration de l'Alliance en avait très envie. Je me souviens de la réunion où j'ai, après plusieurs mois, 4 mois d'études, proposé le plan de travail à Distegue, Hubert Leven, Roger Kuckermann et Roger Benaroche. Ils m'ont applaudi. C'était la première fois où, dans un recrutement, on applaudissait en me disant « c'est exactement ça que nous voulons que vous fassiez ». Donc, je dirais, en réalité, l'Alliance a un tel prestige qu'elle n'a pas ou elle ne devrait pas avoir de problème de moyens pour réaliser les missions qu'elle a et qui sont évolutives. Elle a un certain nombre de communautés et de personnes et de familles qui lui sont, si je puis dire, redevables à jamais et qui veulent lui exprimer cette reconnaissance. J'en ai rencontré. Et ensuite, elle a un patrimoine intellectuel considérable. À l'Alliance, j'ai redécouvert l'éducation et l'école et le métier de l'école, donc que je connaissais un petit peu. J'ai découvert l'enseignement supérieur et le besoin d'études de la communauté juive. Ça, c'était vraiment la passion à Distegue. Et sur ça, si je peux dire, nous avons eu une rencontre extraordinaire. J'ai découvert un tout nouveau métier, c'est celui de diriger une bibliothèque. Et qu'est-ce qui n'allait pas alors dans l'Alliance ? Les institutions, de manière générale, ont des cycles. Et je dirais que l'Alliance était dans le cycle inférieur, parce qu'il a fallu fermer un certain nombre d'écoles dans différents pays, parce qu'il a fallu régler un certain nombre de problèmes de personnel dans les années qui ont... Et puis, il y avait une idée que la mission était un peu terminée. L'Alliance ne s'était pas beaucoup investie en France, ou vraiment du bout des doigts. Tout le monde disait, mais enfin, il n'y a pas que les Lubavitch et Otsar HaTorah, etc. Ça serait bien que l'Alliance. Mais l'Alliance ne considérait pas qu'elle avait encore un rôle à jouer dans l'éducation en France. C'était quelque chose qui était en train de naître. Donc, ce qui n'allait pas, c'est qu'il fallait se dire, en 5 ans, en travaillant très dur, on peut probablement repartir. Et ça a été une expérience pour moi passionnante, d'abord sous la présidence d'Adisteg, et puis sous le deuxième personnage que j'ai connu, qui est Marc Eisenberg, qui est aussi un très grand initiateur de projets, un amoureux de l'identité juive, un homme d'entreprise, et je dirais qu'il a une vision de l'identité juive moderne. Ça fait 6 ans maintenant que vous avez pris votre retraite, Joseph Toledano. Retraite, alors le mot n'est peut-être pas tout à fait adapté, puisque à peine après avoir quitté l'Alliance, vous avez poursuivi sur votre lancée et vous êtes devenu consultant en leadership. Finalement, c'est un peu le même métier que vous continuez d'exercer, mais d'une manière plus privée ou pour d'autres organismes. Quelles sont vos tâches en ce moment ? Je ne sais pas, mais cette interview, et je vous en remercie, je ne sais pas qui en a eu l'idée, mais cette interview vient à un moment où, effectivement, je suis dans ce qu'on appelle à la retraite. Moi, je voudrais dire simplement que le mot « retraite » en France est très mal habité. Le mot « retraite » devrait être habité très positivement. Je dirais même on devrait commencer sa vie par la retraite. On devrait faire la retraite jusqu'à 40 ans et travailler après. Les côtés désagréables de la vie qu'on se tape pendant les années où on a envie d'être heureux, entre 20 et 40 ans, on devrait les garder pour la fin. Bon. Donc, j'ai découvert la retraite en me disant le lendemain matin de l'interruption de mon contrat à l'Alliance. Donc, ils avaient fait une grande fête, etc. Et le matin, je me réveille et je dis à ma femme, c'est formidable. Il n'y a pas un coup de fil. C'est extraordinaire. Enfin, libre. Mais en réalité, je m'étais préparé à aller étudier. Donc, j'ai étudié à Paris Dauphine, j'ai étudié à Sciences Po, je me suis remis à l'étude du Talmud. Donc, j'ai étudié beaucoup de choses. J'ai étudié 2 choses qui m'ont toujours passionné. D'une part, la médiation.
Donc ça, c'est vraiment la chose que j'aime bien faire, la médiation entre les organisations, entre les dirigeants. Et la deuxième chose, c'est la relation de l'État avec les identités. Les identités religieuses, c'est ce programme de Sciences Po qui a été pour moi une occasion de repasser, si je puis dire, sur la question de la théorie qui prévaut dans cette relation, puisque justement j'ai servi des associations à coloration religieuse, même si c'était pas des associations religieuses. Et le travail sur le leadership m'est venu au moment où je décide de partir. Le président de l'Alliance me dit « Mais Joe, il faut qu'on fasse une grande fête pour ton départ, etc. » Je lui dis « Écoute, je veux pas une grande fête. Si je peux faire une demande, si on peut demander aux quatre grands patrons que j'ai eus, c'est-à-dire les présidents, David de Rothschild, qui a été mon premier président au FSJU, Ariel Goldman, Hubert Levene, qui était le patron de la Fondation Sacta Rachi, et Marc Eisenberg. Je voudrais demander à ces quatre personnes, au lieu de me rendre hommage, de dire quelques mots sur comment ils voient la relève du leadership dans les institutions juives dans les années à venir. » Il me dit « Mais personne ne va accepter, Joe. Qu'est-ce que tu vas nous saouler avec un colloque le soir de son départ ?» Quand j'appelle David de Rothschild et que je lui fais la demande, il me dit « Ah, Joe, enfin quelqu'un qui me demande quelque chose d'intelligent, j'en ai marre des pots de départ. Au moins, vous me faites réfléchir. » Et je dirais que cette soirée, d'ailleurs, qui a été enregistrée, cette soirée était un moment très intéressant parce qu'elle correspondait au questionnement que j'avais. Et je me suis dit, si dans les années à venir, je peux consacrer un peu de temps à cette question, je le ferai. Donc, effectivement, je me suis investi dans toutes sortes de choses qui ont rapport avec la relève et le développement du leadership. Alors, justement, vous êtes vraiment la personne, sans doute l'une des personnes les mieux placées pour parler de l'État aujourd'hui, de la communauté juive, de ses dirigeants, de la manière dont fonctionnent ces institutions. Et voilà, quelles sont les questions que vous vous posez, les inquiétudes que vous avez éventuellement, et les projets ou les espoirs que vous nourrissez pour elle? La communauté juive se caractérise aujourd'hui, pour moi, par trois dimensions. La première, c'est que les Juifs de France vivent un peu la tête en France et la tête en Israël. Et ça n'est pas possible d'imaginer une construction ni de famille ni d'individu en étant à deux endroits à la fois. Il faut savoir vivre dans un seul endroit et aimer d'autres. Et c'est peut-être possible, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une vraie difficulté. La seconde, c'est que les institutions juives ont effacé ou estompé leurs frontières. Les institutions centrales, mais en effet miroir, ça se reproduit dans les institutions qui sont en dessous et même dans les régions, n'ont plus une vocation claire et nette. Chaque institution veut s'occuper de tout. Et il suffit qu'il y ait une nouvelle problématique pour que le premier arrivé soit le premier servi. Ça n'est pas possible parce que ça ne produit rien de bon. Mais ça correspond à des situations d'urgence. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on a aujourd'hui une situation complètement folle. Il faut faire face à la situation. Donc, alors, par exemple, cette année, mais je m'intéresse beaucoup à la question. Je ne connais pas, parce que j'ai fait des recherches, je ne connais pas une seule institution juive qui ne soit pas devenue une spécialiste de la recherche et de la fourniture de masques pour se protéger du coronavirus. Ah, on a distribué des masques, Je dis, mais les Juifs ont tellement de masques, ils ont tous 5 masques. Alors, je dirais, c'est normal, c'était l'urgence. Et c'est normal de le faire et c'est bien de l'avoir fait. Les masques et nourrir les personnes âgées qui sont isolées, etc. Donc tout ça est... Mais de l'autre côté, les investissements ont été un peu laissés de côté. On a fait face à l'urgence. Or, le problème, c'est que depuis quelques années, la plupart des institutions ne sont que sur l'urgence. D'une part, parce que la situation, malheureusement, le dicte. Les phénomènes d'antisémitisme, les crises au Moyen-Orient, maintenant la crise sanitaire. Peut-être parce qu'il y a pas peut-être de perspective très nette aussi. C'est-à-dire qu'on s'occupe du présent et qu'on n'a pas, on se projette pas, qu'il est plus difficile de se projeter dans un avenir de la communauté en France. Parce que ce qui est plus inquiétant, me semble-t-il, c'est votre premier point.
Vous avez dit, écrit quelque part, qu'il y a d'un côté l'accélération de ce que vous appelez la maranisation d'une partie de la communauté, pour ne pas dire son assimilation finalement, complète, parce que les gens qui quittent la communauté, enfin qui quittent le judaïsme, c'est pas pour judaïser en secret, hein, c'est pas pour être un marane vraiment. Et de l'autre, cet intérêt grandissant pour une grande partie de la communauté, pour Israël et pour la tentation, j'allais dire, au bon sens du terme, de l'Aliya. Donc effectivement, on a l'impression que à un moment donné, quelque chose, ce qui était avant le franco-judaïsme, la manière d'habiter la France en tant que juive, en tant que communauté, ça devient quelque chose de problématique. Est-ce que vous le diriez comme ça? Et si vous interviewez des jeunes 35-45 ans, c'est-à-dire des gens qui sont en âge de responsabilité familiale et professionnelle, vous n'avez pas une forme déprimée de l'identité. Vous avez une identité heureuse. Et c'est une identité heureuse, si je puis dire, malgré tout ce qu'on vit depuis quelques années. C'est-à-dire qu'elle se débrouille. C'est une identité qui se débrouille de la globalité. Ils sont là, leurs enfants étudient là. On est, je dirais, les Juifs investissent tellement en tant qu'individus et que famille dans l'éducation de leurs enfants, dans la transmission, etc., qu'ils sont, je dirais, chaque Juif vit son identité de manière assez assumée. La difficulté, effectivement, c'est que chaque Juif est aussi l'enjeu d'instrumentalisation. Instrumentalisation de l'État, qui dit « Mais restez là, nous vous aimons, mais la France sans les Juifs, c'est pas la France, etc. » Et de l'autre côté, les Juifs se rendent compte quand même que l'État n'arrive pas à arrêter ni les Gilets jaunes, ni les Black Blocs. De l'autre côté, les institutions, pareil, courent derrière les Juifs. Alors je sais pas, j'ai l'impression que tous les Juifs payent l'IFI. Parce que quand vous voyez le nombre de campagnes IFI, vous vous dites « Mais ils sont complètement fous ». Il n'y a pas tellement de juifs qui payent l'IFI. Pourquoi tout le monde s'adresse aux juifs comme s'ils étaient l'IFI? Si vous prenez un journal juif de cette semaine ou de la semaine dernière, si vous n'êtes pas juif, vous dites, ben non, c'est la Banque de France. C'est... Bon. Donc toutes les institutions cherchent en chaque juif ce qu'il n'est pas. Et cherchent en chaque juif celui qui peut se reconnaître en elle. Et d'une certaine manière, le prive de sa détermination personnelle. Quant à l'État d'Israël, je dirais l'État d'Israël a cessé, bien que de temps en temps il ait ce glissement, a cessé de voir en chaque juif un Israélien potentiel. Il y a des juifs qui choisissent de vivre en Israël, d'autres qui choisissent de vivre en France. Et je dirais, et effectivement la crise du corona a coupé les juifs d'Israël pendant quelque temps, donc il faut remettre un peu les pendules à l'heure. Mais le juif de France, il n'est pas déchiré entre la disparition de son identité et une identité forte. Il est dans le besoin de réinventer une identité adaptée à la situation dans laquelle on est. Et là, je dirais, les intellectuels juifs ne seront pas très mobilisés, ou ne produisent rien de sérieux pour le moment. Et dans l'éducation juive, on fait de la répétition. Voilà. On transmet ce qu'on sait déjà, on n'invente pas. On n'a pas beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose à réinventer? Parce que il y a aussi un moment historique, peut-être, où, comme vous l'avez dit, des cycles, des choses, où les choses se terminent, où ne sont plus qu'il n'est plus possible de le réinventer. Je vois que vous qualifiez toujours d'optimiste actif. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose à réinventer? Oui, je pense qu'il y a à réinventer le sens de la responsabilité. Et que c'est quelque chose de profondément juif. Nous ne pouvons pas nous installer dans la position du consommateur. Être juif et consommateur sont des conditions incompatibles. Et donc je dirais, depuis un certain nombre d'années, pour différentes raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, cette instrumentalisation a fait de nous des consommateurs. Donc nous consommons de l'institution, nous consommons Israël. Alors Israël, vous avez des gens qui y vont 5 fois par an et puis qui s'installent sur la plage de Tel Aviv ou de Netanya. C'est une relation à Israël, ça? C'est une relation créative à Israël? Quel est le rapport d'aller à... Il vaut mieux aller aux îles Maldives, ou je ne sais pas, il y a des endroits beaucoup plus jolis si vous voulez juste prendre du soleil. Donc il y a une rééducation à la responsabilité que des événements historiques
ont amené, comme la Seconde Guerre mondiale ou comme les immigrations successives des communautés juives vers différents pays, nous sommes dans une période où nous sommes en panne de responsabilisation. Y compris donc, et d'abord peut-être pour toute la société, peut-être un problème global qui se pose, la manière dont chacun Si vous pensez que c'est une consolation. Non, mais je dirais justement parce que c'est comme ça dans toute la société. Là où il n'y a pas d'homme, et forcément pas d'être un homme, c'est ça que vous nous dites. D'une part, et ensuite, si déjà, vous savez, quand vous vous présentez devant le Beit Din et vous dites je veux devenir juif, la seule question qu'il vous pose, le Beit Din, il ne vous demande pas de savoir si vous savez ce que c'est que Shabbat. C'est le Talmud qui le dit. Il vous dit, vous avez étudié l'histoire juive. Vous savez combien c'est difficile d'être juif. Vous connaissez l'histoire malheureuse de ce peuple. Vous voulez vraiment être de cette histoire. Alors d'accord, si vous êtes d'accord, on y va. C'est ce que Ruth dit à sa belle-mère Naomi. Il lui dit, ton peuple est mon peuple. Et secondairement, ton Dieu est mon Dieu. Être juif, c'est participer de l'histoire du peuple juif et de sa destinée, et c'est une responsabilité. Ce n'est pas un acte de consommation. Alors, on a noté que dans toute votre carrière, vous n'avez pas eu de responsabilité dans ce qu'on pourrait appeler le cultuel, au consistoire, par exemple. C'est un hasard ou c'est parce que vous n'avez pas voulu ou... Non, ce n'est pas un hasard parce que c'est marrant. Actuellement, la synagogue que je fréquente voudrait bien que je prenne des responsabilités. Et je prends beaucoup de responsabilités, mais sans titre. Mais Zichronam Livracha, j'en étais très proche, le grand rabbin Citruc et Jean Kahn. Et voilà, qu'ils soient en bonne santé, Moïse Cohen m'ont approché très sérieusement pour que je prenne la direction du consistoire. Et je me souviens avoir dit à Moïse Cohen, en début d'un dîner où il voulait me convaincre, il m'a dit, avant de dîner, je vais t'expliquer pourquoi on se voit. Et donc quand il me dit, je lui ai dit, on peut arrêter le dîner tout de suite, parce que j'y ai déjà réfléchi. J'espère que Dieu m'épargnera la direction d'une institution religieuse. Je ne me sens pas capable. Je comprends qu'il y ait des gens qui sachent le faire, mais je ne me sens pas capable, je ne me sens pas attiré par cette responsabilité, parce que moi, je ne sais pas gérer l'esprit, la conviction personnelle des gens. Je sais travailler avec toutes sortes de juifs, et j'aime bien travailler avec toutes sortes de juifs, et même trouver des liens entre eux, mais la religion est un élément. C'est Manitou qui disait, je crois, la cache-route, ça cache la route. Vous savez, dans la religion, il y a quelque chose qui est une espèce de rupture. Dès le moment que vous êtes religieux, vous pensez que l'autre est différent de vous et vous avez peur de le fréquenter vraiment. D'ailleurs, vous voyez toutes les guerres religieuses, aussi bien chez les juifs que chez les autres, elles sont difficiles à cadrer. Et là, vous avez repris des études talmudiques, vous avez dit tout à l'heure. Là, j'ai toujours eu de la passion pour l'étude, toujours. Et je dirais que j'ai plus de temps maintenant. Donc je consacre un peu plus de temps. J'ai un fils qui est mathématicien et qui adore le Talmud et qui est un très très bon professeur de Talmud. Donc j'étudie avec lui quelques heures par semaine, mais avec d'autres gens. Alors vous aimez marcher aussi, Jotelé Dano. Depuis que vous avez pris votre retraite, vous avez réalisé un rêve qui vous était cher, c'est celui de marcher en Israël. Et donc vous allez régulièrement pour faire un chemin qui va de Eilat jusqu'à la frontière libanaise, ça fait un millier de kilomètres par étape comme ça. À quoi vous pensez quand vous parcourez comme ça cette terre d'Israël? Alors, d'abord marcher, et vraiment je recommande à ceux qui n'ont pas fait l'expérience, marcher est la plus belle des expériences humaines. Dès que vous commencez à marcher, parfois c'est désespérant. Au début, vous avez mal aux pieds, vous avez soif, c'est très dur. Le premier jour, c'est très dur. Mais au bout de 2-3 jours, vous êtes porté par votre corps. Et votre esprit est totalement disponible à vous. Et je me suis rendu compte depuis toujours que pour réfléchir, j'ai besoin de marcher. Et j'ai de la chance. Mon épouse aime marcher. Mes enfants aiment marcher. Un certain nombre d'amis aiment marcher. Donc marcher est une de mes passions. Je me suis dit qu'avec la retraite, non seulement je ferai des choses que je n'ai pas eu le temps de faire, mais que je ferai le chemin d'Israël qui s'appelle Shvil Israël, Israel National Trail, qui va de Eilat jusqu'à la frontière libanaise, qui fait 1000 km, qui est un des plus beaux chemins de randonnée du monde. Pourquoi ? Parce qu'il traverse
des paysages et des géologies totalement différentes. Pour ceux qui connaissent la géologie d'Israël, entre la Galilée, la Haute Galilée et la mer Rouge, on traverse quatre ou cinq régions géologiques différentes. Et sur la longueur, on traverse ce qu'on appelle la faille syro-africaine, qui est le Jourdain et la mer Morte. Et donc, vous réalisez en termes de roches, en termes de végétaux, en termes de paysages, des choses extraordinaires que vous devez, si vous devez le faire en Europe, disons, il y a peut-être quelque chose qui ressemble à ça en Europe si vous allez du sud de la Corse jusqu'au Jura, si vous traversez toute cette période. Mais en Israël, vous avez ça sur 1000 km. Mais la chose la plus importante sur ce Shvil Israël, qu'il faut découvrir, on peut le découvrir même si on n'est pas un grand marcheur, on peut le découvrir même en une journée, c'est qu'on peut le faire par étapes, on peut le faire par tronçons, et que tout le long de ce chemin de randonnée, il y a des gens qu'on appelle les anges du chemin, Malaché Hashvil, qui laissent leur numéro de téléphone sur des bases de données, que vous pouvez appeler en disant « j'ai besoin d'être aidé, de dormir, de prendre une douche, de je suis cachère, je suis pas cachère », vous pouvez faire ça. Bon, je ne fais pas appel souvent à eux parce que je m'organise autrement, mais c'est rassurant de voir un pays où les gens aiment marcher, et surtout où les gens aiment ceux qui marchent. Donc on est, je dirais, les Arabes, les chrétiens, les musulmans, les juifs, parce que vous traversez tous les villages. Vous êtes tout le temps reçus de manière remarquable, parce que les Israéliens sont... Et alors vous dites que ça libère l'esprit, mais vous avez des pensées particulières dans ces moments-là bon, on est seul quand même aussi quand on marche, la plupart du temps. Mais vous savez, marcher en Israël, c'est un des meilleurs retours aux sources que vous pouvez avoir. Parce que finalement, quand vous voulez retourner aux sources juives, il faut lire la Bible. C'est pas la peine d'essayer de se promener dans les questions légales, etc. Mais quand vous vous promenez et que votre voisin, qui est un connaisseur, vous dit, ben c'est là qu'on dit que Isaïe a fait tel machin. Quand vous arrivez en haut du mont Moria et on dit, voilà, Abraham est arrivé par là, il est descendu toute la vallée pour arriver jusqu'à Luz, etc. Vous êtes dans l'histoire. Et Israël, c'est l'histoire. Et tout Israël, c'est d'histoire. C'est-à-dire, il n'y a pas un mètre carré de ce pays qui ne soit pas quelque part cité dans la Bible. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est la toile de fond. Alors, on sait que l'un des moyens qui permet l'acquisition d'un terrain dans le droit juif, c'est justement de le parcourir de long en large. Est-ce que c'est une préparation pour vous, malgré tout, à l'Alia, plus ou moins? La manière dont vous parlez du pays, on a le sentiment quand même que vous seriez prêt à habiter en Israël? Écoutez, j'ai toujours pensé que j'étais fait pour vivre en Israël, mais quand je vais en Israël, au bout de 3 jours, j'ai envie d'être loin parce que les Israéliens m'énervent un peu. Et je ne peux pas faire autrement. Mais en même temps, j'aime beaucoup Israël. Je dirais que le syndrome de la propriété terrienne est très difficile pour moi en tant que juif. Voilà. J'admire les gens qui ont du patrimoine, qui ont des villas, des appartements, etc. Mais pour moi, être propriétaire, par contre, être attaché à Israël, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis habité par Israël. Quand j'arrive en Israël, j'ai l'impression d'être moi-même, totalement moi-même. Voilà. Alors peut-être qu'il ne faut pas être soi-même tout le temps. Il faut avoir un point de comparaison. Vous habitez en France, vous êtes habité par Israël. Et le Maroc J'habite un peu le Maroc. J'habite un peu le Maroc. Culturellement, j'habite le Maroc. J'ai des amis qui sont imams. Et parmi ceux que j'aime le plus, c'est des imams marocains. C'est-à-dire, ce sont des musulmans croyants qui aiment leur pays. Je trouve que le Maroc n'est pas assez connu pour une dimension que j'ai toujours remarquée. Le Maroc est un pays de douceur. Les gens sont doux. Ce n'est pas un pays de violence. Et vous êtes retourné au Maroc aussi avec le programme de Sciences Po, Emouna, dont vous avez aussi la responsabilité. Peut-être qu'on peut dire un mot, c'est un programme interreligieux qui est aussi là, correspond bien à votre tempérament de retrouver... Donc Sciences Po a créé, après les attentats de 2015, un processus de formation destiné
aux gens représentant différentes religions ou représentant l'État auprès des religions, ministère de l'Intérieur et autres. Et ce programme, qui est un programme d'un an, est un certificat qui produit donc des rabbins, des imams, des laïcs comme moi qui ont un rapport à la religion. Et j'ai eu le privilège, poussé par le grand rabbin Korshia, sans savoir trop ce qui m'attendait, de participer à la toute première promotion, sur laquelle il y a eu un film, qui est une très grande aventure. Et nous avons créé une association des membres de ce programme qui s'appelle Emouna Fraternité Alumni, et nous avons décidé d'aller regarder comment sont formés les gens de religion ou de responsabilité religieuse dans les grandes religions monothéistes. Et cette aventure, je l'ai vécue avec des collègues, des amis, chrétiens orthodoxes, musulmans, bouddhistes et juifs bien sûr, et je dirais ça nous a liés sur les bases communes du monothéisme, parce que le monothéisme, comme je l'ai dit, la religion est un élément de division si on la regarde par le petit bout, mais c'est aussi un élément d'union, c'est un élément de fédération d'énergie et d'élévation. Et vous n'avez pas eu envie d'aller en Israël essayer de mettre un peu de cohésion dans ce balagan, on va dire, pas seulement politique? Écoutez, depuis avant-hier, on sait ce qui se passe à Jérusalem, que le Hamas essaye de reprendre la main sur la Cisjordanie aux dépens de Mahmoud Abbas, et comme vous le remarquez, il le fait dans les 500 mètres carrés qui peuvent diviser le monde et déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et si vous connaissez ce triangle, où vous avez le mur des lamentations et tout ce que ça représente pour nous. Vous avez les deux mosquées et vous avez de l'autre côté le Saint-Sépulcre. Tout ça sur un très à 5 minutes à pied. Et dans chacun de ces endroits, vous avez des guerres internes terribles. Il n'y a rien de plus terrible qu'une guerre entre un juif orthodoxe et un juif libéral. Il n'y a rien de plus terrible qu'une guerre entre les orthodoxes chrétiens et les différentes factions du catholicisme. Et nous l'avons vécu, nous les avons rencontrés, alors je ne parle pas de l'islam. Je dirais bien, en même temps, d'être condamné à vivre ensemble est une obligation d'inventer le comment vivre ensemble. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose en Israël de l'extérieur? Peut-être. Peut-être, mais je suis toujours fier, de ce point de vue, d'être français en Israël, parce que la France a inventé une idée qui a encore beaucoup de chemin devant elle, qui est cette laïcité qui fonde le respect des religions en même temps que l'obligation pour les religions de ne pas s'imposer aux autres. Donc oui, pour moi, il y a quelque chose à faire en Israël, mais il faut le faire en n'ayant pas d'immodestie, ce que j'ai dit tout à l'heure, pas d'orgueil. Pour la France, bon, on a eu les derniers développements de l'affaire Halimi. Est-ce que ça marque pas une sorte de rupture quand même? Les promesses de la République sont-elles vraiment tenues? Comment vous avez vécu ce... On a l'impression quand même que ça ne passe pas, que quelque chose... Je dirais que l'islam qui est en train de s'installer en France est un islam aux multiples visages. La société française ne l'a pas encore compris. La loi française ne l'a pas encore compris. Et cette loi, d'ailleurs, qui n'existe pas et qui va peut-être exister et que j'espère on appellera la loi Halimi, cette loi qui consiste à dire que dans chaque religion il y a une folie et peut-être que dans l'islam, actuellement, il y a un peu plus de folie en raison du contexte international. Mais moi, je rejoindrai Robert Badinter, que je respecte beaucoup, qui pense que la France peut et va se réformer sur le plan légal. Je pense que quand la France se donne des lois, qu'elles sont respectées. Je me souviens des discussions que nous avons eues concernant le foulard islamique, où je connaissais un certain nombre d'amis qui me disaient « Mais Jo, il faut se battre contre le foulard, etc. » ou « Il faut se battre pour le foulard. » Dès le moment que la loi a édicté qu'à l'école, il n'y a pas de foulard, tout le monde a été étonné. Tout le monde a été étonné parce que ça a marché. Dès qu'il y a une loi, en France,
Mais le problème, c'est qu'effectivement, cette loi qui permet à quelqu'un qui déchante complètement de tuer, c'est une loi qui peut-être convenait à une certaine société. Ça ne convient plus aujourd'hui. Il faut réformer cette loi. Donc je dirais, si les manifestations, si le malaise de la communauté juive, qui est fondé sur autre chose que sur cette affaire, est fondé sur cet antisémitisme latent qui s'installe très doucement dans les sociétés européennes, si ces manifestations pouvaient servir, entre guillemets, à réformer un peu la France, eh bien la France restera ce pays qui sait se donner des lois pour protéger ses citoyens. Jotolé Dano, vous avez 4 enfants, 6 petits-enfants, et sans doute d'autres qui vont venir. Est-ce que vous voyez leur avenir en France ? Écoutez, j'ai un fils qui habite à Strasbourg, qui est très heureux à Strasbourg pour le moment. 2 filles qui habitent à Paris, qui semblent très à l'aise et qui aiment beaucoup la terre de Brassens et de Barbara. Et c'est Paris pour elles. Et je ne veux pas les dérouter de leur vision de la vie d'aujourd'hui parce qu'elle est intéressante. Et j'ai un fils qui habite à Londres et qui va se marier dans quelques jours. Et j'ai déjà 2 petits-fils qui étudient en Israël. Et je suis très heureux. Je suis très heureux d'avoir des petits-fils qui étudient en Israël. Parce qu'ils sont allés en Israël pour la seule chose pour laquelle, effectivement, un juif de France a une obligation d'aller s'il peut, c'est d'aller étudier. Ils sont en train d'étudier en Israël. Si en plus, ils font leur vie en Israël, alors je serai un grand-père très heureux parce que j'aurai des petits-enfants heureux en Israël, dans le pays auquel je suis très attaché et qui m'habite. Et donc, ça sera un plus dans ma vie. On a l'impression que rien ne vous déstabilise, Joseph Toledano. Vous avez une espèce d'optimisme et de capacité de rebondir, d'associer, de garder. Comme ça, cette force, ça vous vient du Maroc, peut-être, de votre enfance, ça vous vient aussi de votre éducation, ça vous vient de votre tempérament, de votre famille ? Peut-être de mon éducation et de l'optimisme de mon père, Zichrono Livracha, et peut-être du fait que je suis marié à une Alsacienne venant d'un milieu très huppé de Strasbourg, dont les parents ont fait une alia, entre guillemets, idéologique. C'est l'alia, ce qu'on appelle l'alia andrénaire. Son père est un grand pédiatre, etc. Et ils ont passé toutes les étapes. C'est-à-dire du luxe strasbourgeois dans un 2 pièces à Jérusalem, pédiatre, etc. Et puis les enfants éduqués. Et mon épouse est revenue en France pour finir ses études supérieures et pour Brassens et Brel. Mais elle pensait être là pour 1 an et puis elle a aimé la France. On s'est connus d'ailleurs, on s'est connus à Paris. Et je dirais, nous avons le sentiment qu'on peut vivre n'importe où à condition de vivre partout à la fois en tant que juif. C'est-à-dire, nous vivons avec Israël. Nous vivons avec le judaïsme français et nous vivons avec ce qui nous a nourris. La culture française, c'est ce qui nous a nourris. Moi, on m'a appris à l'école de l'Alliance à aimer ce pays qui est la France. Quand je vous ai parlé de votre capacité comme ça, j'allais dire de votre force de vie, vous m'avez parlé de votre femme. Force, c'est la réponse. C'est la réponse. c'est le rôle aussi des femmes quand on forme un couple qui fonctionne. Quand on forme un couple qui n'est jamais d'accord sur les idées, mais qui peut en débattre, et qui... Bon, nous sommes tous les deux très investis sur l'étude. Puis nous avons un réseau de relations amicales. Mais vous n'êtes jamais d'accord, donc c'est bon signe. Voilà. C'est des marloquettes, les Shem Shamaïm. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. On est d'accord quand même sur l'éducation de nos enfants. Voilà, je crois que c'était bien de terminer par une évocation donc de votre épouse. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Max Finkiel et moi-même, dans votre domicile parisien, donc pas loin de la place Daumesnil. Et je vous remercie bien sûr tous pour votre écoute.